20 victoires et 0 défaites en fut champion sur FIFA 23 en plein mois d'août. Est-ce que ça va nous permettre de paquer beaucoup de futis? On va voir ça tout de suite. Et dans cette vidéo, il y aura tes récompenses en premier et mes récompenses fut champions en deuxième. Est-ce que je peux juste leur montrer l'équipe? Oui, montre-leur. Parce que j'ai fait un 20-0 avec une équipe. Pendant que tu la montes, ton équipe, moi je vais leur poser une question, d'accord? La question c'est, quel a été ton meilleur fut champions de l'année? Oui, ton meilleur fut champions de l'année. Oui. Dis-le dans les commentaires maintenant. Et en tout cas, Liam te montre son équipe, ça c'est l'équipe de rêve, les BG, pour un 20-0 Erling Haaland. C'est bizarre. Curieux. C'est très bizarre. Et les gars, je vous mens pas, si vous avez pas fait ce SBC là, vous ratez quelque chose de zinzin, parce que lui c'est une carte incroyable. Bientôt à la place de Neymar, je suis en train de construire le SBC de Lothar Matthäus. Donc j'espère que mes récompenses 20-0 que je vais pouvoir le récupérer. Juste le petit screen que j'ai fait hier les gars, alors il était quoi, 23h, c'était, dis-toi, tellement c'était nul le match Nice-Lyon. Ah ouais, hier, tellement on se faisait chier, j'ai dit vas-y je termine mon fut champions en même temps. Et avec le nouveau setup, on a pu le faire tranquillement. Donc voilà, j'ai fait 20-0 hier. Voilà, juste pour te montrer, voilà, 19-0 et puis 20-0. Donc aujourd'hui, on va ouvrir les récompenses fut champions, les miennes puis celles de Vincent. Puis je te mens pas, j'ai peut-être fait une petite bavure, c'est que sans faire exprès, j'ai déjà ouvert un des choix. Un des choix 92+ en plus, je crois, non? Ouais, c'est un des choix des 92+. Mais il a pris King, parce qu'en fait, Lem, il a fait 2-3 choix 92+. D'ailleurs, très important, les BG. On a vu que plus de 50% des frérots qui regardaient les vidéos ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et la prochaine vidéo, les gars, je vous l'annonce, je le garde encore surprise pour le chat Twitch, ça sera un nouveau concept de vidéo qui, je pense, va vous plaire. Il y aura du sang, il y aura de la bagarre, il y aura des packs, il y aura des fitties, il y aura tout ce que tout ce qu'on veut voir. Ouais. Fin août, bah il y aura. Ça, voilà. Ça sera pour la prochaine vidéo. On a assez parlé, maintenant on va ouvrir. Qu'est-ce que ça vaut de faire un 20-0 en big mois d'août? Ouais, par contre, le reste des choix, je vais pas te mentir, le reste des choix c'est catastrophique, mais on commence tranquillement avec un 98. Partenaire? Non. Il y aura du steak à monter, oui. Des steaks saignants. Ah bon? Non, c'est une défaite, c'est un doublon. Bon, allez, le deuxième, moi je voudrais. Allez. 98, ça m'intéresse pas, moi je vais 99. Allez, 95, comme ça tu pourras mettre ton Kimmich, comme ça t'as l'hyperlink là. Là, c'est dommage que c'est pas une draft là. Les gars, je suis matrixé par les drafts, c'est fou. On va prendre Zinchenko. Et le dernier 84+. Et après c'est 20-0 hein. Ouais, après les gars aussi, je vous mens pas, j'ai fait. On va prendre le futur parisien. Je l'espère. Et j'ai aussi récupéré dans les objectifs un pack 84x25. Je crois que c'est des objectifs. Donc voilà, on va voir ça. On va ouvrir ça après. Là on va ouvrir. Bah du coup c'est ça les récompenses Fut Champions. Et c'est là où j'ai pris Kimmich tout à l'heure. Parce que quand tu termines rang 1, t'as 3 choix 92+. Bah malheureusement, voilà, comme Yam l'a dit, le premier c'est Kimmich. Le deuxième, allez, en big mois d'août, il y aura Godze. On aurait pu prendre Eric Bailly, mais Godze il donne plus de liens. Les gars, je vous mens pas, j'ai ouvert des packs de zinzin. Regardez, Théma, ce pack de zinzin. Ça c'est fou hein. Ce pack de chibré, j'ai eu Donnarumma et Donovan. Je crois que j'ai eu un autre pack qui était sympa. Non, je crois que c'était. Non, je crois que t'avais ouvert un pack où il y avait que des cartes spéciales, que des tots et tout genre. Ouais, mais ça je m'en souviens plus. Les Twins, ils nous font un Twins Eco Ultime avant IFC. On a besoin de cette confrontation. Malheureusement, Elias, j'ai le regret de t'annoncer qu'il n'y aura pas de Twins Eco sur FIFA 23. On va donc terminer l'année égalité. Non, Vin, ça me plaît pas ça, cette histoire. Ça me plaît 10 pas. Victoires pour moi. Ça me plaît pas cette histoire. 10 victoires pour Liam. Ça me plaît pas cette histoire. Tellement fou ça, Vince. Si tu veux pas la bagarre. Moins que là maintenant, je vais mettre un commentaire. Si le commentaire il a plus de 300 likes, on va faire un dernier Twin Seco. Et ceux qui savent pas ce que c'est un Twin Seco, il y a un moment ça. Voilà. Les gars, elle se porte comment notre plante naturelle? Naturelle et belle, elle se porte comment? Elle est bien. On la nourrit, on la nourrit à notre avec transpiration. Engrais de CO2. Ouais. Quoi? Engrais fut champion, c'est ça que tu veux dire? Elle est belle, hein, elle est toute belle. Hein. Engrais 85x10. Bon les gars, on va ouvrir nos récompenses. Et les 85x10, ça sera pour la prochaine vidéo. Par contre, j'ai trop de packs à ouvrir parce que j'ai fait beaucoup de drafts là récemment, les gars, et j'ai toujours pas fait le record. Votre plante, elle est aussi réelle que votre World Record draft. Frère, tôt ou tard, on va se faire le World Record. Et nous, en stream, on se la bute un peu en draft là. On fait que ça. Moi, j'avais 2-3 drafts, les gars, je vous mens pas, j'étais tout proche du 128. Hein. En fait, il faut avoir 5-6 futises pour avoir une formation bien méta. Les gars, hier, j'ai vu Zidane, je sais pas si tu peux leur montrer. Les BG, du coup, hier, j'ai croisé Zidane dans la rue. Franchement, je sortais de chez moi. Alors, c'est un truc de zinzin, les gars, je sortais de chez moi. D'un coup, les gars, je vois Zizou sortir et j'étais choqué. Et il était, franchement, il était grave sympa et je remercie beaucoup d'avoir pris la photo. Franchement, un gars en or. Merci beaucoup, Zizou. I love you. Moi, j'étais pas avec Vincent. Je vois que c'est Vincent qui tweet. Déjà, quand Vincent qui tweet, je me dis waouh, qu'est-ce qui lui passe à travers la tête? Parce que normalement, c'est moi le CM du club. Qu'est-ce que je vois? Oh my god, je viens de croiser Zizou. Et j'ai putain, merde, moi, je suis pas avec Vince. Et putain, il a croisé Zizou. Je vois la photo, je suis en vas-y, casse-toi. Ça, c'est vraiment une blague à la Vincent, bien moisie, bien caca-culotte la blague. Zé, ma calé du rama. Alors, ça peut paraître bête, mais j'ai trouvé quelque chose de très poétique dans cette photo. Genre en mode, il y a que des chèvres, il y a que des gouttes, entre guillemets, noires. Et vraiment, genre, tu sais,
J'ai l'impression que ça c'était la femelle. Bah, c'est sûr, je pense. Après, je sais pas comment. Je sais pas aussi, mais. Comment tu peux voir que c'est une femelle Il y a un truc, poétique. Il y a un truc, tu vois, genre le. Tu vois, en plus, c'était. Elle me regardait de manière diagonale, tu vois bien les cornes de chèvre. Attends, t'as senti une connexion? Ouais, franchement, ouais. C'est pour ça que j'étais obligé de. Mais attention, frère, t'es pas Garincha, hein. Aujourd'hui, on aura des choses à faire. J'ai vraiment envie de vous partager la deuxième surprise de la vidéo. Enfin, du stream, la prochaine vidéo. J'ai vraiment envie de vous la partager, les gars. Enfin, un petit tot sur un pack argent, on aime bien. Allez, trois cartes spéciales. Je vais me faire des crédits. Un Zeko. Waouh. Alors, t'en as eu deux. J'ai eu deux cartes spéciales, c'est vrai. Non, il y en a deux. Enfin, il est dur peut-être un Fitbit. C'est ça, en fait. Bon, allez, les gars, le pack ultime. Là, j'en veux minimum 4. 4. Voilà, tu vois. Là, voilà. Tu vois, ça me hype, ça. Ah, c'est Campbell. 92, est-ce que ça peut cacher derrière? Et merci à toi le Bibi pour ton Twitch Prime, merci mon frérot. Voilà, voilà, c'est exactement ce que j'ai besoin. Ouh. R9. Zizou, l'âme. Je crois que c'est un. Non, c'est pas un doublon parce que j'ai vidé tout mon club déjà. Ça, y a pas de doublon. Ça, on aime bien. Le chasuble des Twins, wow, vous datez les boys. C'est vrai que nous, on a perdu l'habitude de mettre des chasubles. Moi, j'ai fait une année pleine en étant titulaire à chaque fois. Là, justement. T'avais besoin de te reposer. Ah, je le sentais, tes derniers matchs, c'était plus vraiment bon. Je pensais déjà aux Jeux Olympiques de l'année prochaine. Tu vois, moi, je pensais déjà à la Ligue des Champions qu'on va jouer sur FC24. Bien sûr, bien sûr. Toujours en table, les 84x10. Mais en vrai, vu qu'ils viennent de changer les restrictions, je pense que c'est toujours rentable. Est-ce qu'ils ont amélioré le taux de drop? C'est bien ça la question que je voudrais me poser. Français DC, là ça va être Saliba. William Saliba. En tout cas, moi les gars, je vais m'envoyer sur les packs 5 joueurs 84+ et 5 joueurs 85+. Là les gars, je veux au minimum full carte spéciale. Talisca. Ou Futiz. Et j'ai vu d'ailleurs aussi les gars que Talisca va peut-être quitter Al-Nasser parce qu'il y a. Il y a un maximum d'étrangers requis pour la Ligue Saoudienne par équipe. Et je pense que du coup, avec toutes les recrues, Nasser, ils ont plus assez de place pour Talisca. C'est ce que j'ai entendu, c'est les derniers bruits de couloir. Flop levé. Les gars, franchement. Ça surprend personne. Hein. Vraiment, je suis. Il est catastrophique levé. Ah, allez, c'est toutes les versions de Cap de Villa, les gars. Toutes les versions de Cap de Villa, je les ai saignées. Je les ai aussi toutes tapées. C'est vrai. Sauf c'est la futiste, tu l'as paquet. J'ai tous les caps de Villa, je vois dans mon club, j'ai tous les caps de Villa. Allez, est-ce que je peux avoir un Dembélé et quelqu'un qui peut se vendre? Kyle Walker. Ah, je crois que c'est un double en plus lui. Ok. Alors, j'ai demandé des joueurs de champ, pas des gardiens. 20-0, hein. Non, mais c'est pas grave, Vince, on n'est pas là pour. Ah, je te le dis, hein. Vince, qu'est-ce qu'il est aigri. On est 20-0, les gars, c'est bon, moi j'ai déjà eu mon 98 à Baby. Allez, maintenant je voudrais bien. Le 99, Lewandowski. Allez. C'était un pack objectif, ça, non? Ouais, c'était le pack, c'était soit Kent ou... Ou ça. Bon, Marco. Verratti, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Waouh. Les gars, pour moi, mon petit avis par rapport à Marco Verratti, en tant que supporter parisien, j'adore Marco Verratti. S'il reste, je serai très content. S'il part, je serai déçu, mais je vais pas pleurer. Parce qu'on le vend quand même. Si on le vend au-dessus de 60 millions, je pense que c'est monstrueux. Il n'y aura pas doublon, mais il y aura le fameux Dzeko. Ah, Dzeko, il ne lâche pas. Le pack 50 000. On va sur ton compte? En toute honnêteté, les gars, des récompenses 20-0 sur 20. Et juste aussi une petite chose, j'ai 98 de notes. Sans mon Matheus 99. C'est vrai. Donc les boys, c'est eux qui décident. Ils sont en train de dire. Ouais, c'est miteux en vrai. C'est pas top. Pour un 20-0, t'as 0 sur 20. Ah, c'est vrai. Vincent, je vais te poser la question. T'as terminé combien ce week-end en Foot Champions? Les gars, j'ai terminé en 18-2. J'ai pas pris de photo ni quoi que ce soit. Ça, c'est l'équipe à laquelle j'ai joué. Comme tu peux voir le nom d'équipe, c'est un mélange entre foot et footies. J'ai été obligé de faire le Erling Haaland et contrairement à Liam. Je sais un peu plus le manier. Oui. Je sais un peu plus le manier. 26 matchs, 45 buts, 13 passes des les gars, c'est. J'étais obligé de le faire, je le fais directement vendredi soir. Donc voilà, ça c'est mon banc, etc. Après, mais, ça, et je trouve que ton équipe elle a pas d'âme. Je trouve que ton équipe il manque quelque chose. Et le Mbappé que j'avais tapé lors des dernières récompenses de Champions, mais j'avais pas enregistré les gars. Avec le Messi. C'est ça que j'avais tapé durant la Tots League 1, le vendredi soir de la Tots League 1. C'est mon équipe. Voilà, j'ai fait 18-2 là-dessus, les deux défaites, une au péno et une méritée. Donc voilà. L'équipe au ronfle. Ouais, Mbappé joue pivot bien gros. Elle a pas mis beaucoup de buts. Hein. Après, Haaland, il marque tellement, les gars. Je vous mens pas. Hein. Franchement, le Haaland 99, c'est n'importe quoi comme carte. Il a tout. Il a absolument tout. Vincent, il a Doudek au goal. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit son équipe à la Padam. Tu vois, Doudek, c'est un des meilleurs goals du jeu. Doudek, il broie Ederson. T'as testé Donnarumma? Tu l'as paqué? Non, j'ai pas. Non, après, moi, je joue pas trop, les gars. Je joue pas trop des 85x10. Moi, je suis pas un fou furieux du recyclage. C'est juste Vincent, il a trouvé son équipe. Ça y est, Vincent, il a son Haaland. Tu vois? Il n'aura jamais lâché son Haaland. Par contre, je viens de voir la carte là. Waouh.
pour le concept MLS. Merci Liam. Franchement, le concept MLS. Le concept MLS, il se portera à merveille. Sur FC24, Donovan, il va adorer. Bon. Par contre, Vince, sur FC24, on va pas te lâcher. Hein. À un moment, tu vas nous faire un concept MLS. Hein. On va pas te lâcher, Vince, hein, sur FC24. Sache-le. Sauf s'il y a potentiellement un troisième compte. Allez, ça c'est rang 3. Allez, c'est là où j'allais taper Mbappé, les frérots, la semaine dernière. C'est dans ces choix-là. On va prendre Daz Deg. Allez, le dernier. Allez. On va prendre Brice en bas. Allez, des choix bien goal. C'est-à-dire, il y a un troisième frère caché. On va continuer Lucas, comme ça, il va s'occuper du troisième compte, les BG. Non, mais nous, on va faire un troisième compte l'année prochaine. C'est dit, c'est fait, les gars. Mais un compte qu'on partagera renseignement en mode commun. Je sais pas encore si on va mettre de l'argent ou pas sur son compte, justement pas. Je voulais que je vous dise la vérité, les gars. Alors, justement, je comptais vous en parler. La période FC Caméra, on se la butait en club pro. J'avais acheté la deuxième play. Donc, du coup, là, on a deux play 5 côte à côte. Bon, la deuxième play 5, je m'en sers jamais, les BG. Sauf que je me dis, j'ai un compte où j'ai pas encore commencé. Fut. Et je pense que en fait le code qu'on a eu c'était un code de la version ultime sur FIFA 23. Parce que c'était I qui nous avait envoyé un code pour la deuxième play. Voilà. Donc je me dis les gars, ça se trouve il y a 4600 points FIFA là maintenant sur le compte FUT de la deuxième play. Parce que moi je me suis jamais connecté à FUT. Est-ce que vous voyez ou pas ce que je veux en venir? Exactement Sofiane. C'est-à-dire que là si on a déjà des points FIFA sur un compte sur FIFA 23 et qu'on attend pour FC24, tu pourras les transférer, donc c'est-à-dire ça va accumuler les deux. Ouais. Ça pourrait être monstrueux. Parce qu'en fait, les gars, le but qu'on a avec Liam par rapport à ce troisième compte, bah du coup, ça serait de faire 3 FUT Champions en tout. Mais comme on est deux, je me dis ça va. Et ça serait plus un compte en mode où on fait des challenges, on fait des défis, on peut faire des trucs. Bah tous les petits derniers concepts qu'on a fait là récemment, Liam et moi, avec ce troisième compte, bah justement, ça peut être là où on pourra du coup faire. Sur le troisième compte. Sur le troisième compte, ouais. Ok, well, good win. Et Amin Sarr, c'est le numéro 7 lyonnais. Je crois que c'est le suédois. C'est un suédois, lui. Il est rapide, hein, la vache. Alors, les gars, venez, on parle juste 30 secondes. Que tu supportes n'importe quelle équipe. Ce joueur-là, Manu Ugarte. Ugarte. Alors, on dit Ugarte ou Ugarte? Ugarte. Le premier match face à Lens, je me suis dit, ça se trouve, c'est son meilleur match de sa vie, etc. Le deuxième match face à Toulouse, là, il m'a vraiment. Je dis, ok, on va attendre un peu plus, on va voir le match de Lens, comment il va jouer. Face à une équipe de type Ligue des Champions. Une des meilleures équipes de notre championnat. Voilà. Pour la faire plus simple. Le match, la troisième fois qu'il est titulaire, la troisième fois qu'il joue, il est vraiment incroyable d'intensité. Il est là dans les volumes, il va chercher le ballon. Il va chercher le ballon à chaque fois, c'est lui qui va initier le pressing. Il est très fort techniquement et je pense qu'il peut encore un peu plus s'améliorer avec Luis Enrique. Moi je pense qu'il y a une grosse marge de progression, c'est sur son niveau technique. Tu vois, peut-être quand il porte le ballon pour aller vers l'avant, peut-être qu'il doit faire peut-être des meilleures décisions et peut-être tu vois améliorer sa palette technique. Mais par contre, moi les gars, il fait des transversales aussi. Mais après, bon, ça c'est des joueurs de foot professionnel, Vince. Je pense pied droit, pied gauche, tu sais faire un transversal à ce niveau-là. Moi, il y a un truc, les gars, que j'aime beaucoup avec ce joueur-là et vraiment, c'est qu'il donne envie aux autres. De se dépasser. Parce que tu vois, imagine que t'es un milieu de terrain et pour tout le respect que j'ai pour Manu Ugarte, t'es un chien de la casse. T'es un mec, il peut mettre sa tête pour récupérer. Enfin, il peut faire des trucs de fou. La mentalité uruguayenne. Exactement, la mentalité kamikaze uruguayenne. Tu vois, ça c'est sûr, ça donne la motivation pour les autres joueurs. Donc même si le jour où Ugarte, parce qu'il va faire des mauvais matchs, c'est sûr, et ben il va toujours avoir ce volume de jeu, cette envie et il va entraîner les autres avec lui. Tu vois, je pense que si Paris. Si tu mets un Ugarte l'année dernière ou pendant les deux dernières années quand le PSG dans certains matchs il se faisait malmener, tu vois, il y avait ce mec comme tu sais Sergio Ramos qui donnait des petits coups et qui tu vois qui montre du caractère. Je pense Ugarte ça peut être ce mec là. Tu vois, avec un peu de vis, un peu de côté physique, un peu de bagarre, un peu de castagne au milieu de terrain, ça j'adore. Ugarte c'est volume de jeu de Liam Todd FIFA 22. Oui. La Totti FIFA 22. Allez les gars, on ouvre le pack, du coup on aura Julian Brand pour les récompenses FUT Champions. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre derrière. Bon, y a pas grand chose les gars derrière, y a pas grand chose. Je pense que, je sais pas s'il y a un autre pack qu'on peut ouvrir les gars, je vais juste voir ça vite fait. Non, y a pas d'autre pack. Bon, dégomme-nous un petit 85x10 Vince. Vous êtes sûrs les gars? Stop, un petit 85x10. D'accord. N'oubliez pas d'abonner et de liker cette vidéo. T'as 11,80 en plus. Et après tu nous auras 85x10. Allez, d'accord, Liam. Allez. Saliba. Tout dit beau. Pack boutique. J'ai plus de crédit, les gars, pour le pack boutique. Allez, 10,85 plus. Allez. Et après, on va terminer sur un pack boutique juste pour faire plaisir. Oh, oui. Juste pour faire plaisir. Ça va me ruiner, les gars. Ça va me ruiner. Oh.
Ah bah le 85 x 10 mon ref, c'était peut-être pas une bonne idée de... Parce que là tu vas devoir recycler là. Allez, allez mes princes, c'est pour vous. C'est lui qui veut l'ouvrir hein. Arrête de tout le temps mettre la faute sur le chat. C'est la faute du chat là. Il me raquette, il met le fusil sur la tempe là. 94. Vincent, j'espère que t'as des futis derrière parce que sinon c'est sec de fou. Il y en a dans Naruma. Je pense que c'est sûr. Ouh la vache. Ouh, wow. Je pense que t'as même une deuxième. Il a été obligé de sortir. T'as 0 sur 20 levé. Bon mes princes, si vous avez kiffé les récompenses Switch Champions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci beaucoup les gars du soutien et encore un bravo à Lien pour son bon 0. Malheureusement les récompenses n'auront pas été à la hauteur, je pense. Mais c'est pas grave, on s'est amusé. Mon prénom c'est Vincent. Moi c'est Liam. En vrai j'ai pris plaisir, c'est vrai que j'ai même pas parlé côté gameplay, mais c'est vrai les gars, j'ai pris plaisir à jouer pendant Switch Champions parce que j'étais en mode détente, je voulais tester mon équipe et tout, et en 20-0, c'est clean. Gros big up à vous les frérots. On se capte sur une toute nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao.